Légionnaires, l'heure est grave. Ce sont 6000 Gréco-Gaulois qui avancent vers nous aujourd'hui. Ils sont trois fois plus nombreux, mais qu'à cela ne tienne, nous ne devons avoir peur de rien. La seule chose que nous devons craindre est cette même peur. Les dieux nous mettent à l'épreuve aujourd'hui. Les dieux reconnaissent les grands actes. Et il faut faire de grandes choses sans hésiter pour que les éventuelles difficultés ne puissent vous arrêter. Alors n'ayez crainte et battez-vous! Que chacun d'entre vous tue trois ennemis et il en sera déjà fini de cette bataille. Je serai à vos côtés et me battrai avec vous. Suivez mes instructions à la lettre car je suis constant comme l'étoile du Nord. Je serai toujours là pour vous guider tant que vous me suivrez. Vous êtes les meilleurs soldats. Vous êtes l'élite formée par Rome en face des marchands grecs qui se sont accouplés avec des barbares gaulois. Ils ne savent pas se battre. Ils ne l'ont jamais appris. Sans formation, il n'y a pas de connaissance. Sans connaissance, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, la victoire n'existe pas. Alors, croyez en notre potentiel. Croyez en la deuxième légion. Vos frères, votre famille. Que l'on barricade les entrées ouest et sud. Nous n'avons pas le temps de faire plus. L'ennemi est déjà à portée de vue. Romains, vous savez quelle position vous avez à défendre. Artillerie, feu à volonté, et que la cavalerie se dirige vers l'ouest. Les renforts ennemis arrivent du sud-est. Ils veulent nous attaquer de toutes parts. Artillerie, changez de position. Allez vous mettre en place pour accueillir les renforts comme il se doit. Que l'on ordonne à la cavalerie de charger sur les ennemis au front ouest. Ce dernier doit être terminé le plus tôt possible pour libérer un maximum de troupes. Romains, vous êtes les meilleurs. Prouvez à ces Grecs que le mur ouest ne cédera jamais. Exterminez-les. C'est ça, je suis fier de vous. Faites sortir les cohortes de réserve par l'ouest. Ils devront contourner l'ennemi. Les renforts arrivent. Aussi loin que je peux voir, il n'y a que des ennemis. Plus d'arbres, plus d'herbes, plus d'animaux. L'espoir se tarit. Il n'y a que des Grecs. Ils arrivent au sud. Tenez le mur. Que la cavalerie aide le front sud. Ils doivent chasser les frondeurs. Nos hommes se prennent pierre sur pierre. Il faut absolument les soulager. Nos troupes de réserve arrivent enfin au sud. Qu'ils passent à l'attaque. Nous les prendrons sur plusieurs flancs. La stratégie s'avère payante. Le front sud est gagné, l'ennemi est en déroute. Un dernier effort. La nouvelle se répand comme la peste chez Massilia. Pour chasser les survivants, les Grecs ont fait l'affront de se lever contre Rome. Amusez-vous maintenant. Poursuivez-les sur deux lieues au maximum. Que le reste parte la queue entre les jambes. Romain, aujourd'hui, vous m'avez apporté la victoire. Je le dois à vous tous. Je le dois à votre bravoure. Légionnaire, je suis fier de vous. Comme d'un père de ses enfants. Une rude bataille fut remportée. Je le dois à mes légions. Aussi grâce à mes stratégies. Je ne peux pas le nier. Pour prendre le contrôle de Massilia, il fallut encore trois batailles. Trois batailles meurtrières pour Massilia. Mais je dois dire trois batailles assez meurtrières pour nous aussi. La première eut lieu aux portes de Massilia. J'ai réussi à y intercepter certaines troupes de leur ancienne armée. Elles ont cependant réussi à fuir, en partie. Ainsi, j'ai décidé de les poursuivre. Manque de chance, ils connaissaient le terrain. Ils nous ont amenés dans des marais. Et nous avons eu plus de pertes que prévu. Beaucoup de nos chevaux se sont enlisés en passant par ici. Mais nous n'avons pas le temps de nous attarder. Nous pleurerons nos morts plus tard. Direction Massilia. Nous prenons la ville. Elle n'est que très peu défendue maintenant. Et les citoyens baissent très vite les armes. Ainsi, ces derniers jours, 6302 Massiliens sont tombés et 1331 de la 2e Légion sont également tombés.